Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Côté Bloc. Aujourd'hui, on est encore une fois chez Boule de Rollin. Format vlog un petit peu spécial. Je suis tout seul avec Marine. Marine, qu'on voit dans les tutos avec Elliot. Marine, surnommée le chat. On va essayer de faire tous les blocs bleus et tous les blocs blancs. Allez, c'est parti. Ben voilà, on vient de finir la chauffe. On a pris 45 minutes pour être sûr d'être vraiment bien bien chaud. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais faire un peu les bleus avec Marine quand même, histoire de ne pas la laisser tout seul dans ses blocs. Bon, comme d'hab, hein, comme vous le savez, dans toutes les vidéos qu'on fait, on fait toujours 3 runs maximum. Si on passe pas le bloc au bout de 3 runs, on change de bloc. On est là, on enchaîne les blocs. Je vais te montrer une bêta que tu arriveras sûrement pas à faire. Elle tient super bien par contre, hein. Ça va vraiment être à mon avis pour tu vas peut-être avoir un peu de mal sur la première prise à prendre là, mais une fois que tu auras pris la première, la deuxième tient bien. Je pense qu'il y a peut-être juste le premier move qui est peut-être un petit peu chaud. Faut les brosser ou pas? Si tu veux, je te brosse la première. Comment tu sens le bloc là? T'as lu un peu le bloc ou pas? Oui, je l'ai lu, mais je pense que je ne passe pas de la même manière que toi. Mais je pense que c'est dans tes cordes, hein, largement. Après, là, t'es dans ton bloc de travail, t'es dans la couleur de travail. Donc forcément, ça risque d'être un peu dur. Tu mets ton prix gauche sur les macro bleus et normalement, ça passe, c'est sûr. Oui, mais c'est que je ne tiens pas à la prise. Allez, vas-y, remets quand même un dernier run. Place-toi un peu mieux. Essaye de te décaler. Ouais, tranquille. On va voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Au début, elles étaient pas assez bien brossées. Elles étaient pas assez bien brossées. En tout cas, pour moi, je les sens direct parce que du coup, je glissais. Et là, rien qu'avec le brossage, du coup, c'était beaucoup bah, mieux. Ah oui, rien à voir. Bah là, au moins, okay. Je tenais la prise, quoi. Ouais, bah, tu vois que c'est super important. Même sur les pieds, en fait, je glissais. Et en plus, j'ai encore mes chaussons débutants. Alors, je sais pas, c'est peut-être une excuse, mais mes chaussons, ils agrippent pas bien sur les prises. Là, du coup, j'ai par voilà blanche. Ça a l'air d'être un move peut-être dynamique sur le premier move, je suis pas sûr. C'est mon anti-style, donc je vais essayer de chanter comme d'habitude, quoi. La brosse. Faut la brosse. Ah, le brossage, ça fait tout, hein. Il me reste 2 runs. Je l'ai brossé. Je pense qu'à mon avis, le move, c'était ça. Allez, allez. Oui. Bien, ouais. Bon, ben voilà. Alors le brossage, ça y est pour quelque chose? Le brossage a tout fait, franchement. C'est pour comme ça que pour le premier run, j'ai pas passé. Ouais, comme toi pour le run d'avant. Ouais. Bah, comme toi pour le bloc d'avant. Là, si j'avais pas brossé, de toute façon, ça s'est vu, le premier bloc, bah, premier run, pas facile du tout, du tout. Ça, c'est vraiment super important à chaque fois, les gars. Brossez vos prises. Ça joue, c'est un truc de ouf. En tout cas, pour moi, ça joue vraiment de ouf. Que ça soit les pieds ou les mains, c'est toujours pareil. Tu veux mettre un run de la blanche? Juste pour dans... voir.
Ouais, vas-y. Pour voir. Mais un run dedans. Même si c'est pas à ton niveau. Mais non, c'est encore un move dynamique. Enfin, c'est pas un move. C'est un move dynamique, ouais, c'est vrai. En plus, j'y vais là. Avec plaisir et je peux la passer, mais là. Ouais, bah ça va là. Bon, vas-y, bah, tu vas nous montrer la bleue là. La bleue là, là. Ouais, c'est toi qui mets le premier run dedans. Marine, qu'on surnomme le chat. Est-ce que le chat va nous faire une technique de chat ou pas? C'est quoi comme style de bloc ça? T'aimes bien ce genre de bloc ou pas? Bah les prises, ouais j'aime bien les prises. C'est pas des prises, c'est des macros. Montre-nous le chat. Montre-nous comment ça se passe là. Le dernier move a l'air d'être un peu loin. Faut que je monte comme ça, faut que je monte mon pied quoi. Ton pied ou ton talon? Moi je pense qu'il faut que tu montes un talon. Un talon? Ouais. Bah bien ouais, tu l'as flashé le bloc là, là. Au final, le move que tu pensais grand, il était grand ou pas? Bon non, en fait, mais je pensais pas que les prises, elles accrochaient autant. Ok. C'est passé. Je mal visé hein. Je mal visé, je sais pas si ça a glissé ou c'était juste le fait que j'ai mal visé. Mes reines, mais j'ai pas visé et du coup ça passait pas. Bon, apparemment, tu me dis que t'as déjà vu quelqu'un rentrer dans ce bloc là. Oui. Donc, normalement, t'as déjà vu la bêta? Non, j'ai vu la fin. Ah, t'as juste vu la fin? Non, j'ai juste la fin quand il a calé le talon. Ok, bah vas-y alors, c'est parti, montre-nous. Du coup, c'est un macro ça. Ça, c'est des macros, ouais. Ça, c'est des macros. Faut que tu les brosses? Ouais. C'était quoi, une zipette de pied ou une zipette de main? Une zipette de pied. Ah, c'était une zipette de pied. Ok. Non, bon, allez. Pas de zipette. Pas de zipette, tu m'as dit? Pas de zipette, Inch'Allah. Bah, allez, c'est parti, Inch'Allah, pas de zipette. Placé. Ouais.
Moi, là c'était ton deuxième run. Est-ce que tu veux utiliser la carte Joker et je te montre la bêta? Oui, vas-y. Ouais, voilà. De quoi? Je la tenais pas très bien, la prise. Tu la tenais pas très bien, quoi? Top. La dernière? Ouais, la dernière. Mais c'est parce que je pense que j'aurais dû mettre mon talon. Ouais, en tout cas, bien moi. Bon, là, ici. Bon, là, on va. On se bloque là, derrière, avec les gros macros carrés. C'est les macros que je kiffe le plus dans la salle. Moi aussi. À chaque fois qu'il y a, à chaque fois qu'il y a un bloc ici avec ce genre de macro, c'est toujours une pépite. Il y a peut-être juste le départ qui est peut-être un peu chiant, mais voilà, je suis pas sûr. Ça a l'air d'être là le mouvement un peu difficile. Après, t'es grande, donc tu l'attrapes tranquille. Je pense que toi, ça va être compliqué de faire ce move. Sur ce genre de profil et sur ce genre de macro, une blanche que tu peux faire. Tu vois, typiquement, à partir de ce volume-là, vraiment à partir de ce volume-là, peut-être retravailler ce volume pour mettre ton pied et pouvoir aller chercher, ça risque d'être un peu plus dur. Allez, retravaille bien le volume là. Allez. Ouais, c'est bien là. Allez, 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 chat. Dommage, dommage. Dommage. Surtout, est-ce que tu inviterais pas les gens à s'abonner? Attends, vas-y, faut que tu me... Ah, c'est gênant ça, hein. Tu me formes là-dessus, ouais, c'est grave gênant. Oh. Bah voilà, j'ai... Oh, bizarre de me filmer d'aussi près. Attends. Non, mais... Bah voilà, j'espère que vous kiffez ce format, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ok. Petit move dynamique, comme je les aime pas. Dessus, t'arrives main droite. Le problème, c'est qu'avec le pied droit, je vais prendre une porte directe. Donc il faut tout de suite que je change mon pied. Donc là, j'ai mis un run, il m'en reste deux. Je vais essayer de les utiliser à bon escient. Sinon, ça va être la merde. T'as dit que tu les flashais toutes, alors... Quoi? T'as dit que tu les flashais toutes, alors... Depuis tout à l'heure, je flashais tous mes blocs, à part un bloc où j'ai vraiment galéré et je ne l'avais pas passé. Normalement, ça devrait le faire. Si j'arrive à faire le pack-pack avec mes pieds... Tu vas aller où là? Dis-nous. C'est quoi ton profil là? T'as envie qu'on aille un peu dans le Vièdre, dans la dalle
Bah, pourquoi pas dans la dalle ou dans le toit ou un peu dans le dévers là, non? Vas-y, vas-y. On se finit dans le gros dévers, vas-y, c'est parti. C'est parti. Marine, première essai dans la bleue. Ah oui, je suis bleue. Dans le dévers. Allez. Ouais. Putain, mais je suis connu au genou. Putain. Là, c'est bon, là, T'as j'avais capté, la là dynamique. Ok, ok. Est-ce que tu veux remettre un run tout de suite ou tu veux prendre 2 minutes de repos? J'attends 2 minutes. T'attends quand même 2 minutes, là? J'attends 2 minutes. C'est important quand même, hein, la récup. Ouais, hein. C'est important. Deuxième run, concentre-toi. Hein. Tu peux la passer celle-ci là. Ouais, bah ouais. Allez. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Main droite ou main gauche, je sais pas. Bah, si t'es pied droit, c'est main droite. Après, sinon, ça veut dire qu'il faut que tu croises. On va partir les derniers runs là. Après, on passe sur le bloc. Allez. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Ouais! Allez là! Oh. Tu m'as fait peur! Ouais, j'ai là, fait une chute! Tu t'es pas fait mal? Non, c'est bon! C'est vrai, tu t'es pas fait mal? Non, je me suis grave pas fait mal! Ok, bon, ça va, attends, tu m'as fait flipper! Tu m'as fait flipper de ouf comment t'es tombé! Ouais, là, t'as pris un sacré ballon! En fait, quand tu pousses comme ça avec ton pied, faut être sûr de ce que tu fais, tu vois? On le reverra après sur la vidéo! T'as fait tomber, c'est que t'as arrêté de pousser avec ton pied en fait. Okay. Ton pied il a arrêté de pousser, du coup quand t'es parti prendre ta main, il n'y avait plus la connexion. T'as tout donné, t'as été plus loin que le run d'avant et que le run d'avant, donc parfait. Du coup en voyant le mec juste avant, t'as vu, ça m'a aidé, j'ai calé ma pointe là dans la prise. Donc, je sais pas si je l'ai bien, c'était propre. Si, franchement le croisé était super propre. Non, c'est pas trop vénère. Bon, t'as quand même mis un run dedans, quoi. Mais tu vois que c'est un autre niveau quand même là. On n'est plus dans les bleus, quoi. Ouais, là c'est 40 degrés ici. Ok. Donc ça pique quand même, quoi. Bon, moi j'aurais tenté. Mais c'est bien, c'est bien. Mais le début est cool. Ouais, le début est cool. Bah, c'est après, un bloc. Je pense que si je remets des runs et des runs et des runs. Là, on a que 3 runs. Donc forcément. Oui, là, de toute façon, en 3 runs, c'est sûr que je la passerai pas. Je pense qu'il y a un ou deux talons à mettre. Et je pense qu'en droit dur, ça va être un peu plus haut là-bas. Sur le volume, à mon avis, c'est une main gauche. Et vu que j'ai mal main gauche, ça va être chaud. C'est bien ce que je t'avais dit, ça tire à mort dans la main gauche, là où il y a le ticket. J'ai super mal. Oh. Et Ça fait combien de temps que t'as ça? Ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois que j'ai ça.
Bon ben voilà, fin de vidéo, j'espère que vous avez kiffé ce format. Ça change un peu de ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne. On s'est bien amusé, nous en tout cas on a fait pas mal de blocs, franchement, je sais pas combien on en a fait, on en a vraiment fait pas mal. Là il est 18h40, donc ça fait quasiment 4 heures qu'on est là. Ok, parfait, ciao ciao.